I know. Oh, we got a problem here? Paris s'éveille. Paris s'éveille. À l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, je vais au Sneak Me en Arabie Saoudite. Mais je vous fais l'intro de la vidéo. Arrivé à l'hôtel, voilà. Parce que ce matin, je suis parti de Paname en rapidité. J'introduis Ariel au Marriott. Oh là là. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce petit vlog sauvage, très bien quand même. Je fais l'introduction ici parce que c'était la course dans tous les sens. Je suis dans la chambre d'hôtel du Marriott à Riyad en Arabie Saoudite. Je vais vous faire le tour de la chambre pour que vous voyez un peu tout ça. Là j'ai une tête fatiguée, bah ouais, après 6 heures de vol, même plus que ça parce qu'il y a eu du retard et tout ça. Les douanes, n'en parlons pas, c'était fatigant. Et on est là pour le Sneak Me, le plus long event sneakers au monde. 14 jours, ça fait déjà une semaine que c'est commencé, je vais pas rester les 14 jours. Je vous invite aussi à mettre un petit like sur la vidéo pour envoyer la force, m'envoyer un petit commentaire et puis un abonnement à la chaîne comme d'habitude, donc voilà. Là je viens d'arriver à l'hôtel, il est à peu près 21h. L'événement est tous les jours de 16h à minuit. Bah ouais, la chaleur les gars, la chaleur, donc forcément... Ça commence un peu tard, mais c'est normal. Donc, je suis au Marriott. Il y a une salle de sport. Je vais pouvoir faire du sport tous les matins. Il n'y a pas d'alcool. Moi, je ne bois pas d'alcool de toute façon. Mais voilà, en cas d'hydratation, je peux boire que de l'eau. Donc, je serai en forme le matin pour faire du sport. Donc, c'est très bien. Donc, on va découvrir tout ça au fur et à mesure du temps. Il y a des copains qui sont là. Il y a Bissot qui va arriver d'ailleurs plus tard, vers minuit, 1h du matin. Il y a Larry Deadstock. Il y a Mehdi. Il y a David, Presented by. Thierry, mais qui est parti hier. Tim McFly, mon frérot. Dommage qu'on ne se soit pas vu ici. Et puis là, tout de suite, je vais vous faire le tour de la chambre d'hôtel. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je suis bien. Mais par contre, j'ai la dalle. Il va falloir que j'aille manger là. Ouais. Voilà l'entrée, hein. Voilà déjà salle de bain, sympathique pour prendre la douche. Je suis en t-shirt, hein, j'ai enlevé mon kunaig, forcément j'ai eu la chance d'arriver tard ce soir. Et ouais, c'est bien pour s'adapter doucement, parce que je suis arrivé à l'aéroport, il devait faire 30 degrés, un petit peignoir sympa. J'ai même une douche, je sais pas si c'est hammam, ou en tout cas ça fait douche stylée, voilà. Les toilettes, jolie mosaïque. Moi, je suis pas très bain, mais j'ai une super baignoire. Spéciale dédicace à Kix. Moi, ce sera plus la douche. Je me vois pas prendre un bain tout seul, là, comme ça. Ensuite. Ouais, donc je vous disais. Voilà. J'avais peur qu'il n'y ait pas de fer à repasser. Il y a un fer à repasser. Des petits chaussons qui vont bien. Le meuble télé absolument magnifique. Je vous le montre de loin. Tac. Voilà, un bureau pour travailler. Et alors le pire truc, le meilleur truc, c'est la vue de ouf. Voilà, une vue incroyable. Là, c'est dommage, je ne voyais pas bien avec les reflets. Je pense qu'avec le jour, on verra peut-être mieux. Mais bon, voilà, j'ai vu surtout Riyad. J'aurais dû prendre mon ordinateur portable. J'ai pas pris mon ordinateur. J'aurais pu vraiment bien travailler là. Et le lit. Voilà, le lit quand même. Le lit, il est très très beau. Franchement, la chambre, elle est nickel.
Réveil stylé. Merci Sneak Me pour l'accueil, hein, franchement. C'est super, c'est très joli. Ouais, j'ai mon bonnet parce qu'il y a la clim dans la chambre et je ne l'ai pas encore réglé. Là, il doit faire 20 degrés dans la chambre, c'est un peu frisqué par rapport à dehors. Ah, c'est mon hôtel, quoi. D'aller faire dodo, je suis très très fatigué. Je pense que ça va le faire dans ce lit. Il est plus grand que moi en largeur, le lit. Je mesure 1m93. Ma tête et mes pieds dépassent pas en largeur. Et puis voilà quoi, demain matin, petit déj et sport. Salle de sport, running. Et demain après-midi, je sais pas si on aura le temps de faire un tour ou pas. Le Sneak Me, hein. On va aller au Sneak Me. Bon, sur ce, je vous dis bonne nuit. Tous les matins, ce que je fais, c'est que je prends un bain de soleil devant ma baie vitrée. J'apprécie ça, ouais, j'apprécie ça. Le matin du premier jour. Aujourd'hui, on va aller au 3e étage de l'hôtel. Nous sommes au 14e. Moi, je vais pas en dessous du 14. Non, je vais pas en dessous du 14 parce que la qualité de l'air n'est pas la même à certains étages. Forcément, voilà, 14, c'est vraiment... Là, ils m'ont mis au 14, tu vois. Déjà, je suis un peu... Je suis pas sûr. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas ouf. Je suis pas ouf sur l'oxygène. Après, bon, voilà, ça va, tu vois. Non, franchement, la vue du matin, c'est cool. Moi, bon, je dirais pas que c'est beau, hein. Mais par contre, lire les rideaux et voir toute la ville devant soi, avec le désert au fond, là. Il est 7h du matin, il fait déjà 26 degrés dehors. Cet après-midi, je pense qu'il va faire 38. Ça fait du bien parce que quand je suis parti de Paris, c'est 11 degrés. Donc, voilà, je suis... Arrivé 2 heures plus tard, je vais pas vous mentir, je me suis rendormi 2 heures. Et là, il y a le frérot Bissot qui est dans la maison. On est là, voilà. Les aventures vont commencer, la colonie de vacances. Et là, on a pris un petit déj. Le champion. Moi, perso, je vais aller au sport. Je sais pas si tu vas aller au sport. Écoute, je vais te suivre, j'ai un coach avec moi. J'ai envie de venir costaud. Moi, aujourd'hui, c'est cardio. C'est toi le coach aujourd'hui. Ah, ouais. Allez, sport. Le gars, il est dégoûté. Ils comptent tous les jours déjà, ils sont bien les couilles de faire du cardio. Bonjour. La surprise. Au sport, c'est bon, t'as tes chaussures de sport. J'ai mes chaussures de sport, je suis prêt à m'en faire. C'est parfait. Là, je prends juste une serviette et tu veux rentrer? Vas-y, on va regarder la chambre à Bibi. Ah, la chambre à Bibi. C'est le bordel, mais bon. Ouais, t'inquiète. Bienvenue chez moi. Ouais, t'es à peu près là. Ouais, c'est la même chambre, dans le sens inverse. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pris comme paire? Voilà ce que j'ai pris. La Anon. Anon, Asics, Gel Light 3. Ouais. Bah, ça, tu peux courir avec ça, frère. Ouais, ça, c'est pour. Ouais. Ah, si, c'est une running. Hein. Ouais, quelque part, ouais. Bah, oui. Ils en pensent quoi, les gens, là? De celle-là? Ouais. Bah, on va leur demander. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette paire. Voilà. Sachant que ça, c'est une paire recyclée. Exactement, voilà. Ouais. Ensuite, la Concept. Concept, c'est laquelle, celle-là? C'est la Camour. Ouais, je sais même pas comment elle s'appelle, celle-là. Ensuite, bah, on a la collab. Ah, voilà, Diadora. Présenter. Un petit shout-out à Franck et l'original Namur. Et puis un petit shout-out à Edson. À Edson de Pata. Voilà quoi. Bon, bah, on va au sport. Hein. Allez, je vais prendre ça avec moi. Tac, une serviette. Je sais pas si on a assez digéré, mais on va voir si on va vomir sur le tapis ou pas. Ah ouais, frère. La salle de sport avec la vue. Sympa. Et Bissot qui est là. Voilà. La séance d'aujourd'hui, cardio. On va commencer par s'échauffer doucement sur une séance de 15 minutes de vélo elliptique. Après un peu d'étirement et après 5 km de course. Et après, petite séance d'abdos et ça fera l'affaire pour aujourd'hui.
Jacques Mayol, comment tu vas? Écoute, ça me fait plaisir de revenir à la vie. Bravo Jacques, t'as gagné une Fiat 500. Après cet après-midi détente, nous allons à l'événement. Je vous montre la vue derrière, c'est plus joli. Sneak Me, c'est parti. Les GMC nous attendent là. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est pas très écolo, mais bon. On vit qu'une fois, alors voilà. Bon, j'y vais quoi, tu vois. J'y vais, j'arrête de parler parce que ils nous attendent déjà en bas. Voilà, outfit du jour. Casquette Jacques Mus. Ensemble Daily Paper avec le short. Les chaussettes Daily Paper et la paire de West Indies. SO frérot, Bissot. Les Antilles, Wadada, Malilina. Donc, bah, let's go, on y va, quoi. J'arrête de parler. On va rejoindre Bissot et on descend. Bâtiment en brillant, buildingé. C'est beau, c'est franchement. Beau, hein. Il a l'âme d'un artiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et là, on vient de voir Larry et Mehdi. En bois local. À quoi? L'eau, c'est la vie. C'est la vie. L'eau, c'est bon. Toujours s'hydrater. Hydratation. Comme quoi, comme père? Alors, comme père, pas Wildcat, je sais pas comment. Wildcat. Chat sauvage. Exactement. Et toi, qu'est-ce que tu as alors, du coup? Moi, j'ai mis la West Indies. C'est mon hommage à moi ou quoi? Bah, oui. Je suis avec Bissot, j'ai dit bon. On va mettre un peu de couleur, quoi. Soleil, la mer, chaud. On arrive l'équipe, on arrive. Let's go. Merci pour la visite, ça va très bien. Mr. Off the Wall ici, voilà. Ariad. Montre-nous ce que t'as dans ton beau stand, alors, tout magnifique. Alors, qu'est-ce que t'as de lourd, De lourd, lourd, ouais. Petit Undefeated. Voilà. Oh là là. 25 paires montres. 25 paires montres, tu te rends compte, il y en a une ici. Exactement, alors si on fait dans les petites quantités, Tokyo 23 exactement, très limité, sorti qu'au Japon. Les vrais Yeezy pour Kanye West. J'aime bien, les vrais Yeezy. Voilà, Yeezy 1, 2. Il y a la patente aussi, c'est la petite sœur. Ouais. Tiens, si tu veux. Je les prendrai dans le jour parce que là, avec le reflet de la lumière, ça rend pas très bien. Ça. DJ Khaled. Petit. Bien sûr, les LV, rest in peace Virgil Abloh, son dernier travail. Et le plus du spectacle, c'est One of Three, Sample, Fragment, Family and Friends. Magnifique. One of Three, so voilà, c'est le petit coup du spectacle. Merci pour la visite, ça fait plaisir. Tu peux m'offrir un petit. Bien sûr, c'est buy one, get one for free. Moi, je préfère la veste en fait. La 4 roquettes ou la 5 balles? Ouais, celle-là. Celle-là? Ouais. Ok, let me get your size et c'est bon. Ouais, 200 balles, ça va. Oh, easy. On a fait un 200. Ça va, easy. Je pense que je te passerai un petit bouton. Ah, voilà, on est avec Larry, Deadstock. En live de Riyad, Arabie Saoudite. Avec notre ami qui regarde le match de foot. Et qui nous amène au billionnaire. On s'est promené vite fait au Sneak Me. Là, on va tout de suite dans un restaurant. Et puis, je vous ferai des trucs dans la semaine parce qu'on a largement le temps de faire, je pense, des vidéos dans la semaine. Et il y a vraiment des belles paires. C'est ça que j'ai bien aimé au Sneak Me. Et puis, franchement, super event. Super accueil. Super accueil, ouais. C'est important. Ça, c'est vrai. Et tous les gens sont gentils.
n'y a rien à redire. Quoi. Et puis c'est un vrai sneaker event. C'est-à-dire qu'il y a des sneakers. Quoi. C'est pas un truc où tu as beaucoup de sable, que de la sable, pratiquement quelques corners. Il y a des vraies paires, il y a des vraies grosses paires. Et je vais vous en montrer au fur et à mesure. Il y a un musée avec des paires que vous avez jamais vu, même en Europe, on n'a jamais vu. C'est clair. Des pièces historiques. Il y a plein de choses à voir, donc on a toute la semaine pour voir ça. Larry, il repart demain. Demain. Voilà, et là on va manger, entre amis, au billionnaire. On lèche les babines. Je pense qu'on leur montrera un peu ce qu'on a mangé vite fait. Bah oui, ils ont l'habitude dans les vlogs de voir ce qu'on mange, ce qu'on boit. Là on va boire de l'eau, les amis. Ah, c'est sûr. Moi je vais boire du Diet Pepsi. Voilà le restaurant, on va manger. C'est joli. Ça s'appelle le billionnaire. J'imagine que ça doit être cher. C'est vrai qu'on dirait une paire de Yeezy quand même. Ah ouais, mais c'est bon. Tu sors de ta voiture électrique ? Je sors de ma boîte mobile. Un petit shawarma ? Shawarma. Ah ouais, c'est chaud, mon frère. Ah, je te mets au défi. Ouais, je mange un shawarma là tout de suite. Ouais, enfin, donut. Enfin, je peux plus rien manger. Fin de la première journée, j'ai pas beaucoup filmé à l'événement parce qu'on a 5 jours et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Et donc on va rentrer plus dans les détails et tout. Là j'ai filmé un peu la soirée, l'ambiance, tout ça. Dans les prochains jours, on va vraiment filmer l'événement. C'est un très très bon événement. Franchement, c'est le meilleur événement en termes de structure que j'ai fait et j'en ai fait beaucoup. Et c'est vraiment le meilleur événement que j'ai fait en termes de structure. Ils ont coulé une dalle de béton juste pour le truc. Ils ont mis des stands. Mais des stands, c'est pas des stands avec des tables et des nappes et des trucs en vrac partout. C'est vraiment comme des magasins. Voilà. Avec les logos de tout le monde sculptés dans le bois et tout ça, à l'image et aux couleurs de chaque entreprise. Bravo SneakMe pour ça, franchement. Voilà. Et du coup, j'ai plein de choses à vous montrer dans les jours qui vont venir là. On a passé une bonne soirée avec Larry, avec César Salade, DC Jeans, Ali, enfin tous ceux qui étaient présents. Voilà. Si vous venez à Riyad, le billionnaire, bon, c'est un restaurant de luxe, mais franchement, vous pouvez manger à des prix quand même plutôt corrects. N'hésitez pas à aller dans ce restaurant-là. Pourquoi pas? Sinon, Riyad, de ce que j'ai vu, il y a plein de fast-food, il y a plein de... Il y a de tout, toutes les chaînes sont là, toutes les chaînes, Burger King, McDonald's, Dunkin' Donuts, il y a des Dunkin' Donuts. Mais il faut même pas que j'aille là-bas, j'adore trop ça. Et gros SO à Walid, notre gars qui nous conduit avec le gros GMC là, on a bien rigolé avec lui aussi. Les chauffeurs qui nous amènent et tout ça, on les a invités pour venir avec nous manger au billionnaire. Je vous dis à demain matin, petit déjeuner, et moi je vais Netflixer, prendre une douche et je vais me coucher. Petit déjeuner des champions. De l'eau, de l'air. Voilà. Aujourd'hui, séance 2. Non, je déconne. Matin du deuxième jour, vous avez vu, on a été petit-déj avec Larry et Mehdi. Et là, je suis avec Bissot qui est derrière la caméra. Voilà. Et du coup, on va aujourd'hui faire une séance de sport. Bien entendu. Pec biceps. Là, je vais faire gonfler un peu le frérot Bissot. Et moi aussi, je vais gonfler un petit peu parce que là, ça commence un peu à se dégonfler. Donc, on va faire de la gonflette. C'est parti. Et après, piscine, événement. La routine, quoi. Quelle routine de... Quelle routine de merde. We'll be right back.
ancienne. Je crois que c'est la... c'était la première fois qu'on s'était rencontrés. Je pense, ouais. Ouais. Et voilà, on représente mon frère. Ouais. Surtout que là, je viens de vivre une séance de sport intense. Je me sens costaud. J'étais obligé de mettre du OG Camp. Un peu moulant, un peu bougasse. Je vais peut-être me déshabiller devant vous tout à l'heure pour vous montrer un peu le travail. Mais bon, j'hésite. Après le sport, après la piscine, let's go au Sneak Me. Aujourd'hui, je vais vous en montrer un peu plus, où je vais vous montrer des choses, ok? Donc, on se retrouve là-bas, quoi. Là, je vais rejoindre Bissot dans sa chambre. Et puis voilà, à tout à l'heure. Très rapide, mon frère. Je suis en train de finir de préparer. Comme chez moi. Et sorti les bobs pour le soleil, il fait méga chaud, il fait plus chaud qu'hier. Il y a Chris Christopher qui nous a rejoint. Hello guys. Hey, je vous mets sur Instagram dans la vidéo. Et il y a Hassan. Hello. Qui est avec nous. The boss. The real boss. Il nous a bien aidé. J'ai été me faire une djellaba sur mesure. J'ai une petite idée de photo, et puis c'est un vêtement que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis content d'en avoir un sur mesure fait à Riyad en Arabie Saoudite. Donc ça c'est cool. Je suis avec mon frérot David, Mister The Wall sur Instagram. Hey, voilà. Hello, je lui ai demandé une petite faveur, vous savez que ça c'est ma paire préférée, voilà, que je n'ai pas. Et du coup je lui ai demandé de faire une petite photo avec. Il a gentiment accepté. Merci. Avec plaisir. Voilà. L'organisation de l'événement. Salut. Voilà. Ça va? Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Et voilà. On vient de manger, là on est posé au milieu de la place. Il y a des bouffes comme ça. Voilà. On est bien. On va goûter les glaces. J'ai pris mangue passion, Bissot aussi. I took mango and berries. You have a lot, right? Donc, ça s'appelle Nine. Voilà. Ils ont un très joli stand là au Sneak Me. C'est dans la boîte ça. Là on va dans le stand de Sneaker Den, on va aller voir Sneaker Den. Parce qu'il a des vraies chaussures, il a des vrais trucs. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il cherche un petit peu des trucs dont les gens ne pensent pas ou ne pensent plus. Et donc, il a des vrais bails et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça va, tu dors pas trop? Frérot, tu vas nous faire un petit cours. Allez, ça va. Vas-y, on va commencer par celle-là, par exemple. Ok. Est-ce que vous savez ce que c'est dans les commentaires? Voilà, ça sert un peu à rien, mais mettez-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Alors, le petit indice, c'est les initiales, SC et Reebok. SC. Voilà. Donc voilà. Ça vient tout droit de New York. Jay-Z, Sean Carter, les S-Dots comme on les appelle. Époque 2005-2006 à peu près. Les paires de Jay-Z chez Reebok, et qui l'avait fait aussi avec Kanye West sur ses premières... Easy, on va dire, c'était pas vraiment Easy à l'époque, mais voilà. Et donc au-dessus, voilà. Exactement la même époque. Donc Reebok à l'époque, c'était vraiment très très fort. Ça, c'est Pharrell et Nigo avec Ice Cream. Ice Cream, le logo Ice Cream derrière. Voilà.
Et ça, c'est vraiment le coloris classique. Tu vois des photos de Pharrell avec. C'est très beau, mais je vous entends gueuler là derrière votre truc. Ouais, mais on veut voir des trucs un peu hype et tout. la Heineken, ouais, mais il y a une petite histoire cool, c'est que c'est une collab. Enfin. C'est une collab. Comment c'est, on va dire un hommage, une tribute. Et un hommage sans nommer la marque, voilà. Que Heineken n'a pas du tout apprécié. Et du coup, c'est quand même très très évident entre les couleurs et l'étoile. Quand même, l'étoile, ils sont allés loin, hein, quand même, avec l'étoile. Et Heineken n'a pas du tout apprécié. Et du coup, je crois qu'ils ont poursuivi en justice. Il y a eu un petit schmilblick à l'époque, mais tu sais qu'après, il y a une paire de Heineken qui a été exposée au musée Heineken aux Pays-Bas. C'est vrai? Ouais. Ok. Donc, tu vois qu'ils n'ont pas gardé mauvaise. Okay. Je pense qu'ils ont enlevé un peu la hype. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'ils auraient quand même apprécié que ce soit une collab officielle. Quoi. À l'époque, ouais, peut-être, je sais pas. C'est un peu flou toute cette histoire, mais. Mais non, ils l'ont pas mauvaise. Mais ouais, Nike SB à l'époque, ils se lâchaient pas mal quand même. Avec la Freddy Krueger aussi. Bah, c'est un peu la même histoire que Freddy Krueger. Vas-y. Alors, hier, celle-là... j'avais oublié le. Il me l'a montré hier, pendant une demi-heure, j'ai cherché le logo, alors que c'est le logo évident de chez Evident. Donc, tiens, on va demander à. Ah oui. À Christopher. Christopher. Yeah. You recognize this logo? What logo is this? It's yours. No. No, I don't recognize it. It's a Nike model. No, I don't recognize it. Another model. Really? So it's one of the pairs of the 10. This one. Come on. Nah. I can't get it. Okay, Nike Prestos. It's I have all of them at home. I'm such a fucking idiot. You gotta look into it. It's a hybrid. It's a hybrid between a Dunk and a Presto. So the name of this is Dunk Esto. And it's a Clot collab from 2007. Donc une collaboration Clot de 2007, ouais. Dunk Esto, donc entre Dunk et Presto. Et c'est les mêmes matériaux qu'une hemp. Du coup, c'est vraiment, c'est vraiment très rare. Il doit y avoir 1000 paires, je pense. Du chanvre. Mais bon, à l'époque, ça valait pas grand-chose. Hein. Et toujours aujourd'hui, il y a peu de gens qui cherchent cette paire. C'est vraiment très obscur comme paire. On va avoir une que j'ai kiffé. On l'a montré hier. Ah ouais. Alors ça, vas-y, explique-leur. Ça, c'est une sorte de PE, donc Player Exclusive, pour le All-Star Game NBA de 2004, qui a eu lieu à LA. Donc c'est pour ça qu'il y a le logo LA et le coloris un peu des maillots East-West de l'époque. Et c'est cette dunk, c'est non seulement il y a seulement 24 paires, mais en plus tu as le Elephant Print qui, normalement chez Nike, c'est quelque chose de très très spécial, que ce soit sur les SB avec Supreme ou les Jordan 3. Mais ça, ouais, c'est vraiment une pépite, que 24 paires. Et ça, c'est un 12,5, donc un 47. Donc, elle était probablement destinée à un joueur qui l'a soit lâché. Ou un joueur ou un mec de la. Ah, voilà. Et comme par hasard, 24 paires, comme les 24 joueurs sélectionnés pour le All-Star Game. Donc, ça, c'est. Donc voilà, ouais, ça c'est cool. Des paires que vous ne voyez jamais dans les magazines, dans les trucs comme ça. Ouais. Et en fait. Ça vaut beaucoup d'autres paires, même beaucoup plus, parce que tu imagines que ça c'était destiné à un joueur NBA, quoi. Paire exclusive pour les All-Star Games. C'est quand même un truc de ouf, les All-Star Games de Los Angeles. Et ça, le truc, c'est que peu de gens la connaissent, donc peu de gens la cherchent. Ouais. Donc c'est possible d'en trouver une à un prix, on va dire, comparable à, je sais pas, une Fragment, ouais. Une Jordan 1 Fragment ou un truc, je sais pas, dans les 2-3 000 balles. Ouais. Sauf que ça, c'est tellement plus spécial, tu vois. Donc, là, une autre paire universitaire. Ouais. Et ça, c'est une sorte de PE aussi. Après, ouais. Elle a été faite avec le programme Nike ID. Mais, ah, c'est une ID, ça. Bah, c'est une Nike ID, mais qui était, tu vois, c'était que pour les joueurs du Texas. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc c'était pas vraiment une release ou quoi. Et donc, t'as le logo de l'université du Texas. Et c'est un 12,5 aussi. Donc, enfin, il n'y a que des grandes tailles dans ce genre de truc. En général, c'est la plus petite taille, ça va être un 11, parce que les athlètes, ils font rarement du 42. Pour les grands pieds. 47, 46, 46. Mais si, Live Strong, donc c'est l'association de Lance Armstrong. Et tu vois, t'as le jaune, rouge, comme le maillot jaune, etc. Tout ce qui est cyclisme, ça me ouais, ouais, non, mais moi non plus. Mais après, ce qui va te faire, ah, j'adore, parce que là, il y a un petit reveal très sympa qui vient. Unboxing. FL. Donc, ça, c'est For Love or Money. Donc, ça, c'est la deuxième flomme.
La première, évidemment, c'est une SB où il y a entre 24 et 48 paires, même je pense 24. Celle-là, il doit y en avoir entre 500 et 1000, donc elle est moins rare. Et c'est la deuxième, tu vois, c'est pas, elle n'est pas aussi légendaire évidemment, mais ça reste, tu vois, c'est rare d'avoir le stamp FL sur une Dunk. Ça, c'est la signature de Futura. Ouais, donc c'est Futura qui a bossé pour l'association de Lance Armstrong sur ce modèle. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que j'ai la Air Force One aussi. Et ça, c'est une Air Force One Live Strong aussi. Et c'est l'artiste Busy P qui a fait cette Air Force qui a aussi designé celle-là. Air Force One Buzz EP qui est sorti en programme France et avec une paire de Booba qui avait fait une collaboration avec Nike sur les Air Force One. Donc voilà, que je vous mets en image à côté. Il y a tellement de paires, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de trucs, donc forcément c'est bien qu'il y ait des mecs comme Dan qui cherchent un peu les pépites. Et ce que j'aime bien, c'est que il va trouver un truc, ça va l'amener vers un autre truc, ça va l'amener vers un autre truc, et après il y a des cheminements sur tous les. Toutes les paires, d'ailleurs on va vous parler des paires après. Et ça c'est la Uncle du coup. DS de 2005 il me semble. Ah oui, oui. C'est ça, Uncle. Uncle. Ouais. C'est pas la signature, c'est... Tu connais toute l'histoire de celle-là? Alors ça pour le coup non. Ouais. C'est vachement intéressant parce que c'était... Alors j'ai plus les noms en tête, mais c'est des amis de Futura qui avaient un groupe de hard rock et qui sortaient un album. Et ça c'est la cover de l'album en fait. Ok. Voilà. Ok. Donc ça c'est plutôt... un joli clin d'œil et j'en avais parlé dans mon livre et j'avais retrouvé la cover de l'album pour la mettre avec et tout ça, donc c'était assez sympa. Il y a plein de petits trucs à savoir sur cette paire et j'ai pas tout en tête parce que je ne suis pas un ordinateur. En parlant de couverture d'album. Ouais, ce que tu m'as montré hier. Ouais. Alors, tiens, je te laisse la tenir. Donc ça c'est une Air Force One LeBron Chamber of Fear de 2004. Donc LeBron, il avait fait une tournée un peu promotionnelle pour Nike en Chine, c'était pour la sortie de la LeBron 1 ou 2, un truc comme ça, la LeBron Soldier, voilà. Et il y avait tout un packaging dessus avec, et le truc un peu cool, c'est ce vinyle que j'ai pas osé ouvrir. C'est très cool. Mais que Tonton va regardez les détails va explorer regardez un peu les détails de ce vinyle. Donc 12 sons, Chamber of Fear, remix by The RZA. Donc voilà, donc c'est Reza qui a posé là-dessus. Dan, il a pas osé l'ouvrir, ce que je comprends, mais je me dis, il y a peut-être des infos à l'intérieur. Ouais, ça peut parce que être... j'aimerais bien connaître le nombre d'impressions de ce truc-là, tu vois. Ouais. En combien d'exemplaires ça a été pressé, ça. Ouais. Ça, c'est super intéressant, quoi. Qui a déjà vu ça, ouais, j'avais jamais et vu même ça. Hier, j'ai pris la photo pour écouter les sons, j'ai pas encore écouté, mais je suis curieux de savoir ce qu'il y a dessus. Ouais. Donc voilà, il y a tout le reste qui va avec. Et aussi, ouais, il y a... Donc il y a le t-shirt que j'ai pas ouvert non plus parce qu'il est DS depuis 2004 donc je ne vais pas l'ouvrir. Et t'as le reçu. Donc est-ce qu'on a la date? C'est toujours cool. Ah voilà, 2005, 21 janvier 2005. Voilà. Et là je crois que c'est une petite invitation. That's a goodie that was included. Yeah. Regardez, congrats, you got the first of 5 LeBron James Chamber of Fear shoes. If you are in NYC, 27th. Donc bon, est-ce que je la traduis du coup directement? Ouais, traduit directement. Alors, félicitations, vous avez eu accès à l'une des 5 Air Force One LeBron James. Si vous êtes à New York entre le 27 et le 28 janvier pour le match de LeBron de Cleveland contre les Knicks, vous avez peut-être une chance pour la prochaine. Et d'ailleurs, tu sais, la Coraline, là, celle-là, c'était un peu pareil. Ouais. En gros, si tu étais à la première du film, on te donnait une invitation ou après, tu avais peut-être une chance d'avoir une paire. Donc Nike, ils ont un peu arrêté de faire ça, j'ai l'impression, ces dernières années. C'est la Fragment London. 2010, c'est aux couleurs de la couverture d'album des Sex Pistols, okay. L'un de leurs albums les plus classiques. Et vu que c'est un groupe londonien, voilà. Mais c'est vrai que faut aller, si tu connais pas, tu connais pas. Mm. Tu vois, moi, Sex Pistols, ça me parle pas. Hiroshi Fujiwara, c'est un musicien, donc je pense qu'il est assez fan de Sex Pistols. Ça doit être, à mon avis, en lien bah, avec ça. Quoi. Et après, celle-là, elle est vraiment cool aussi. Donc en gros, en 2010, vous savez, il y a eu la Beijing là qui est sortie récemment, la Fragment qui a fait un flop total, ouais, qui était en discount, je ne sais pas trop. Ouais. Et ça,
C'est le pack donc de 2010, je sors la Beijing. Donc chaque pied à chaque fois, il est mismatch. Donc sur la Beijing, l'autre pied c'est noir et violet. Là c'est deux coloris complètement différents, là c'est inversé. Et en gros celle-là c'est la New York, c'est la plus rare des trois. Et en fait c'est pas un hasard que ça ce soit comme une Chicago. Parce qu'en gros, en plus, c'était non seulement Hiroshi Fujiwara, mais en plus Skate Thing. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Skate Thing. Un designer japonais aussi, je me rappelle plus ce qu'il a fait d'autre. Si, il a bossé avec plein de marques. Ouais, il a fait les logos de KVM, de trucs comme ça. Il a taffé avec Nigo, je pense. Il a bossé avec tout le monde. Mais il est plus un peu en retrait, c'est pas comme. C'est un mec de Harajuku, Tokyo, tout ça. C'est un peu dans la clique, quoi. Et du coup, en gros, pourquoi ils ont mis le coloris d'une Jordan 1 Chicago sur une Dunk, c'était pour un peu représenter la confusion entre la Dunk et la Jordan 1 de base quand c'est arrivé au Japon, en fait. Et en plus, les Japonais, ils ont une façon un peu particulière de porter leur Jordan et leur Dunk. Par exemple, ils adorent serrer leurs lacets, ça c'est un truc. Et c'est très, tu vois, c'est très vintage, mais c'est vraiment leur truc, tu vois. Et bah, un autre truc qu'ils font, c'est porter une paire sur le pied droit et une autre paire sur le pied gauche. Par exemple, une Bred sur le pied droit et une Royale sur le gauche. Et du coup, Booster. Tu connais Punky Booster? Non. il est jeune peut-être. Il est jeune, mais il connaît beaucoup de choses. Et du coup, c'est un peu cette histoire-là de porter une paire mismatch, la Jordan 1 et la Dunk, etc. Ah bah regardez. Voilà. Ouais. Donc là, la Jordan 1 et la Dunk. Ouais. Peter Moore, 1985, les deux. C'est à peu près les mêmes, quoi. Un peu de choses près. Ouais. Un peu de choses près, mais c'est pas les mêmes, quoi. Et franchement, celle-là, elle est beaucoup plus rare que la Jordan 1 de 85, quoi. Celle-là, en production, et j'imagine que c'est pas les mêmes quantités. Ouais. La Jordan 1, au final, je crois qu'ils en avaient vendu quoi, 1 million de paires, il y a un truc comme ça. Ça, il y en a eu entre 150 et 300 grand max. C'est vrai. Et toutes ces paires-là sont aux enchères. La semaine prochaine, au Speed Meme, on sera déjà parti, malheureusement. Mais j'aurais bien été curieux de savoir si tu peux t'acheter une maison. On va essayer de faire un petit live stream. Alors, ces deux paires-là. Elles ont un lien. Elles ont un lien, ouais. Deux paires qui sont très très. Qui ont l'ADN de New York, Orchard Street, la Dunk Orchard Street. C'était un shop référence un peu streetwear, sneakers, Lower East Side à New York, début des années 2000. Donc tu vois, il y avait tous les Jay-Z, les Pharrell, etc. qui allaient là-bas. Et ça, c'est la Harry Mantle, aussi qui est un designer de New York, elle est sortie à New York exclusivement, etc. Et en fait, les deux sont inspirés par les cigarettes Newport. Alors, je sors la petite boîte de cigarettes. Voilà. Et en fait, la marque Newport, leur logo, c'est un souche à l'envers. Donc, voilà, littéralement Nike. Et en fait, les deux ont voulu un peu raconter cette histoire. Une, la Harry Mantle, plus d'une façon, on va dire, critique de la société de consommation, des sneakers, critique de l'industrie, etc. Ça, c'était plus, on va dire, neutre. Il n'y avait pas forcément de critique, mais il y a clairement la reprise du vert, du orange, de la typo Newport aussi qu'on peut voir là sur le... Attends, je vais sortir le petit keychain. Voilà, c'est pas une collab Nike, là. Ouais. Donc, en fait, aucune des deux n'est une sortie officielle Nike. Ça, c'est une custom. Il y a eu 40 paires. Ils ont pris une Dunk High Brazil de 2003. Ils l'ont en fait customisée tout simplement avec un packaging spécial. Et ils ont fait une chasse au trésor dans New York où ils ont accroché les paires sur des lampadaires, des arbres, etc. Et en gros, il fallait récupérer la paire, la ramener au magasin et t'avais le truc en entier. Et ça, c'est une bootleg. Où il a repris la Air Force One et il l'a fait vraiment aux couleurs de Newport et il a fait tout un packaging. La boîte est exactement identique, je pourrais la sortir après, au paquet de cigarettes. Donc quand, tu vois, elle s'ouvre comme ça. La boîte de la chaussure est comme un paquet de clopes. Et en gros, Newport, ça c'est du petit merch Newport des années 90. Je pense qu'ils étaient conscients du logo. Et en fait, cette typo-là, j'en parlais avec tonton hier, on peut la retrouver. Ouais, d'ailleurs, donc ça, c'est t-shirt Outsole, où j'ai fait un hommage, j'ai essayé de faire un hommage aussi à toute cette histoire. Et en fait, Virgil, je sais pas si ça vous dira quelque chose, la collection Tourist vs Purist. Je vais mettre des petites images à côté pour que vous voyez le lien. Donc, quand il a sorti cette collection,
L'une des pièces principales, c'était donc un outfit vert avec des inscriptions orange fluo dans cette typo, tourist versus purist, qui rejoint un peu le message, tu vois, touriste versus puriste, un peu le message aussi de la Harry Menton. Pas un hasard que la typo soit identique, que ce soit du orange sur du vert, donc il raconte cette histoire et je pense qu'il y a très peu de gens qui... Il y a la casquette là-bas. Alors la casquette, ouais, bah, que j'ai là. Ça c'est celle de ta marque. Et je vais... Ouais. Ouais. Et donc le lien avec la casquette qui est OG. En fait, ce qui veut dire, c'est que tout est lié. Et Virgil Abloh a toute cette culture-là. Et c'est des clins d'œil en fait qu'il fait. Même sur la dernière collection où vous avez vu ce que j'ai fait, des petites vidéos sur Instagram, là où j'ai eu la chance d'aller au show. Il y avait plein de clins d'œil de Virgil Abloh à des petites phases de la mode comme ça, surtout à New York comme ici. Donc ça, c'est une casquette Newport originale. Et en fait, j'ai fait une collection, on va dire... Moi, ce que j'essayais de raconter, c'est le côté addictif des sneakers. Et reprendre un peu le parallèle de la cigarette qu'avait fait Harry, mais moi plutôt pour raconter un peu l'histoire de nous, de sneakers addicts qui sont accros aux sneakers comme certains sont accros à la clope, quoi. Et par exemple, ce short, je sais pas si vous avez la référence tout de suite. Pense cigarette. Cigarette, Camel, Marlboro, c'est un filtre. Oui, voilà, le fil de la cigarette. Et bah, la semelle intérieure de la Harry Menthol, il a mis ce print là dessus, okay, aussi. Donc okay. C'est aussi un clin d'œil à ça. T'as Marlboro, simple, mais aussi un peu... Elles sont bien, elles sont calées, les casquettes. Je t'en ai mis une de côté. Ah, c'est gentil, Jordan 85, des OG quoi. Donc tout ça, ça va être aux enchères, celle-là aussi, 85. Alors ce trio... Tu sais qu'il me semble que celle-là, si je dis pas de conneries, ouais. C'est 86. En fait, il y en a qui sont sortis à cheval sur 85, ouais. 86. De toute façon, c'est toujours sur 2 ans, tu vois. Ouais. Mais il me semble que celle-ci, il me semble que c'est 86. Bah, sur le col, il y a imprimé 85. Mais t'as 2 dates ou t'en as qu'une? Il y en a qu'une. Parce que t'as la date de fabrication, ouais. Et t'as la date de sortie. Oui, c'est ça. Ce qui est spécial avec ces trois paires-là, c'est que c'est tous du 13 US, donc du 47,5. Qui était la taille de Michael Jordan. Donc bon, malheureusement, c'est pas lui qui les a portés, mais il y a quand même truc. Pardon ? C'est un joli clin d'œil. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu t'exposes ça dans un musée, par exemple, tu vois vraiment la paire qu'aurait pu porter Michael Jordan. Là, il y a la Airship, donc la paire qu'il y a eu entre le moment où il a signé et le moment où ils ont fabriqué la Jordan 1, c'était là. Il portait l'Airship et c'est à cette époque-là qu'il a eu les premières amendes, les fameuses amendes sur les parquets parce que c'était interdit de porter. Donc la vraie band, c'est effectivement c'est ce modèle là en noir et rouge, donc ce coloris, mais sur ce modèle là. Et après Nike, ils ont manipulé un peu pour en faire une com pour la sortie de la Jordan 1, mais la vraie band, c'est la Airship. Ouais. Et ouais, band, c'est banned en français, en accent français, black and red, noir et rouge, je traduis encore plus loin. Alors celle-là, elle sort en 2023 pour la première fois. Ouais. Première réédition, il y a eu Travis Scott, évidemment, qui l'a un peu remis au centre de l'attention. Tu l'avais pas vu ? Après, je ne le suis pas non plus. Ouais. Non, mais ça est dans la communauté vraiment vintage, puriste, tu vois, qui collectionne les... Ouais, mais c'est pas ma cam, ça. Ouais. Mais ça, il y a vraiment une ressemblance avec les New Balance 550. Il y a un truc. Ah oui. Et moi, je me posais la question, pourquoi Nike a pris autant de temps pour les ressortir, parce que New Balance, ils sont vraiment en train de prendre du marché avec la 550. À mon avis, chez Nike, c'est des petits jeunes et ils connaissent pas les archives qu'ils ont chez Nike. Il doit y avoir un mec, je suis sûr, qui est chez Nike. Il est là, il regarde les archives. Ah, c'est bien ça. Ouais, appelle Travis, demande-lui s'il veut la porter. Ouais. Et la paire la plus rare, c'est celle-là. Alors, ouais. C'est pas du tout la plus connue. Au contraire, ouais. Je pense qu'il y a très peu de gens qui la connaissent. Et il n'y a que 10 paires au monde, ouais. Et c'est un artiste allemand ils ont fait une petite collab pour. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, la campagne aux lacets rouges là. Tu vois les lacets rouges de Nike là. Red Laces. Je te sors le petit truc. Bah, visuellement, ça. J'ai dû le voir passer, mais alors de là à te dire, je vais me rappeler de ça. Lace Up Save Life. Tu sais, il y avait des paires qui.
il rajoutait ses lacets rouges pour sorte de site d'action. D'accord. Ouais. D'accord. Et en gros, les 10 paires qui ont été vendues, tous les profits étaient destinés, reversés à l'association contre le sida. You know this pair? It's an artist, German. But I don't know her. No? No, I don't know the artist, no. Heiko Zandler. His name is, yeah. Ah, I thought it's Heiko. Heiko Zandler, yeah. No, I don't know it. Heiko. Ah, it's a German graffiti artist. Yeah. Yeah, I see. Okay. Qu'est-ce que tu vends sur ton site? Donc déjà, donc le logo, je crois que je te l'avais présenté la dernière fois. Il m'a envoyé le logo, il m'a dit, est-ce que tu le connais? Ah ouais. Je le connais. Donc le logo... Allez. Et le nom de la marque, c'est un indice, c'est un gros indice. Regardez, ça se passe ici, ça se passe là. Donc en fait, pourquoi j'ai choisi ce logo, c'est que Enfin, je pense que beaucoup de gens considèrent que la culture sneakers a vraiment commencé en 85 avec la Jordan. Avant ça, c'était plus de la running qui est moins d'actualité encore aujourd'hui. Alors que les Dunk et les Jordan sont sortis en 85 et aujourd'hui encore sont les deux modèles phares dans cette culture. Donc, je trouvais que ça faisait sens d'utiliser une référence comme ça. Et du coup, tous les articles ont une inspiration de l'histoire de la sneakers. Dan, il est très orienté Nike. Oui. Parce que bon, oui, c'est ça. Avant, c'était Adidas, c'était Converse, c'était tout ça. Donc, il y avait déjà un peu de game quand même. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, la raison, c'est vraiment ces paires-là qui sont à la mode, même encore aujourd'hui. Et donc, par exemple, donc, ce t-shirt 1985, évidemment, donc en référence à l'année de la Jordan 1, les couleurs aussi bread, rouge et noir, et aussi un petit clin d'œil à 1984 de George Orwell avec un peu le Big Brother is watching you. Donc, j'essaie un peu de mélanger des trucs. Ça, c'est par rapport à la Newport, et du coup, là, il y a un petit clin d'œil aussi, un peu cigarette. A passion for sneakers can lead to serious financial and emotional damage. Donc, les sneakers à consommer avec modération. Et ça, tiens, regarde, ça tu l'as pas dit. C'est lui qui me l'a dit, hein, c'est pas moi. La main avec le briquet, c'est la main de la Statue de la Liberté. Alors, donc Harry avec la Harry Menthol, ils ont donc normalement la Statue de la Liberté, elle tient donc une flamme. Et lui, il l'a dérivé en un briquet qui allume une cigarette pour représenter aussi la consommation de la société américaine et tout. Ça, alors on en parlait, c'est Peter Moore. Qui est mort il n'y a pas longtemps. Ouais. Peter Moore, c'est pas de plus. Je vais te faire un bip. Et en fait, less is more, comment traduire ça? C'est moins et plus, on va dire. Le plus c'est simple, le mieux c'est, parce que le design de Peter Moore, il est, au final, c'est pas Tinker Hatfield, c'est assez simple, mais aujourd'hui, c'est encore la référence. D'ailleurs, t'as vu qu'il y a l'inventeur de slogan Just Do It qui est mort. Ouais. Il y a une semaine, un truc comme ça. Ouais. J'ai oublié son nom, je vous le mettrai dans la vidéo. Et puis, une référence classique aussi, c'est... Donc, c'est Jordan, ça. Ce outfit Barcelone. Là, on va pas bien entendre, je pense. Hein. On n'entend pas bien là. Si, t'inquiète, ouais. ça passe. Du coup, ouais, ça Dream Team, c'est vraiment une. C'est pas forcément sneakers, mais bon, Jordan est au centre de la sneakers, donc on peut pas l'ignorer. Et la cape inspirée de la Dream Team. Voilà, j'essaie un peu de toujours raconter une histoire avec ces trucs. J'invente rien, mais je remixe un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je vous mets le lien du site. Allez, sur son site. Merci Delmo. Merci à toi, frérot. Merci Bisson qui a filmé pendant 20 minutes. Ouais, on est dans le stand ASICS. Jennifer a eu une paire de ASICS, quoi, c'est super! Merci Anna! Merci ASICS! Merci ASICS! En plus, demain on va courir! On va courir, donc ça va être utile, quoi! Regarde ça! Ça c'est de la running, ça! Ah ouais, on va courir!
Isix, merci beaucoup. Thanks a lot. Dankeschön. Yo, Walid. Walid. My man. Walid, it's cool. Cool. Amen. Amen. How you doing? Fin du premier jour, du deuxième jour. Ouais. On a passé une très très bonne journée. Merci encore le Sneak Me. Franchement, et là, on dégueule pas l'équipe. Voilà. Et là, on va Netflixer tranquille, quoi. Tu arrives, tu retouches les photos, toi? Ouais, je pense que je vais commencer à regarder. Tu me connais. Ouais. Mais j'aurais fait pareil, c'est pour ça. Trop pressé de voir. Bon, on se retrouve demain. Vas-y, mon frère. Je te souhaite une bonne soirée. Toi aussi. Troisième jour, je viens de me réveiller, je viens de prendre ma douche. J'allais dire, il fait beau, mais ici, c'est juste normal, il pleut jamais, en fait. C'est pour ça que c'est un désert. Autour, on va aller déjeuner avec Bissot et Christopher d'Allemagne. Après sport, après piscine. Et ouais, hier, je vous ai montré le stand de Sneaker Den. Il y a vraiment des très, très belles paires. Aujourd'hui, voilà, mais aujourd'hui, je vais vous montrer le muséum. Donc là, vous allez voir de la sacrée grosse paire. Vous avez déjà vu de la grosse paire hier. Et encore, chez Den, on n'a pas, je vous ai pas tout montré parce que vous avez vu, ça a duré longtemps déjà. Donc là, ça va être encore plus ouf, quoi. En termes de, peut-être de hype, parce qu'il y a beaucoup de paires hype, mais il y a aussi des très belles paires, des players exclusives au Raygon et tout ça. Ouais, des trucs qu'on aime, quoi, des trucs qu'on aime bien sur ma chaîne. Ah ouais, vous le savez, hein. Bon, allez, je vais petit-déj, je vais rejoindre les frérots. À tout à l'heure. Les œufs bénédicts sur les conseils de Larry Deadstock. C'est des œufs bénédicts avec une tartine de saumon en dessous. Toi, t'as déjà mangé hier. J'ai déjà goûté, franchement, c'est excellent. Je glisse ça toi aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous allez au Marriott, petit déj, n'hésitez pas à demander des œufs bénédicts. Bon appétit, Bissot. Toi aussi. Merci. Allez, let's go. Un petit déj copieux. Je sais pas, le running après, là, ça va être... Ça va être chaud. Ouais, peut-être qu'on va pas faire du running. Alors, aujourd'hui, on va tester la paire que Azix nous a offert hier. C'est une vraie paire de running. Hein. C'est la Nova Blast 3 Azix Anima Sana in Corpo Sano. In Corporo Sano, in Corpore Sano. Un esprit sain dans un corps sain. Azix, c'est ça que ça veut dire. Marque japonaise, le tigre japonais. C'est ultra confortable. Avec ça, à mon avis, courir avec ça, ça va être un truc de ouf. Mais je vais vous dire ça très honnêtement, quand j'aurai fini mon sport... une vraie paire de running. On est dans la cage d'escalier du Marriott, équipé de paires d'Azix. Et tant mieux parce qu'on est au 14e étage. Bon, il y a beaucoup plus haut. Ça résonne, je ne sais pas si vous allez nous entendre. On est. Oh man, bref. On est au 14e étage et il faut qu'on descende au 6e. Ça va, la salle de sport. En fait, il faut un test de sécurité au niveau de l'immeuble. Donc les ascenseurs ne fonctionnent pas. Voilà. Donc, bah voilà, on y va. Du coup, c'est un petit échauffement juste avant le sport. Je pense qu'il y a pas mal d'escaliers à descendre. 12e. Donc, comme vous voyez, les escaliers, c'est beaucoup moins charmant. Je pense qu'on doit être les premières personnes à les emprunter. C'est sûr qu'on n'a pas l'impression d'être dans un 7 étoiles. Et pour le coup, tu vois, bizarrement, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra dans la cage d'escalier. Voilà. En fait, c'est comme dans les films, en fait. Ouais. C'est là qu'il se passe des trucs quelque chose. Ouais. Ça fait vraiment film d'horreur. Hein. Vas-y, mais comment est-ce que tu pourrais nous proposer l'exercice dans les escaliers Un exercice dans les escaliers en montant les mollets. Quand vous montez des escaliers, faites toujours ça. Prendre les pieds. Yes. Ah oui, on voit le travail du mollet là. T'es la minute sport avec Tonton Gibbs. La séance est terminée. Piscine. Séance du jour cardio. Hier on a fait pec biceps. Aujourd'hui ça va être cardio. Mais cardio, comme on a le ventre plein, on va faire d'abord vélo elliptique 20 minutes. Avec augmentation de la vitesse, augmentation de la puissance toutes les 2 minutes. Et après, on va faire 3 km de cardio. Donc 3 km, c'est pas beaucoup, mais on va les faire de manière rapide. Ça va passer vite.
séance terminée. Je ne fais pas de pub. Voilà, je ne fais pas de pub. Mais là, celle-là, là, pour ceux qui courent, la Nova Blast 3, là, c'est une tuerie. Voilà. Je vous dis juste, allez l'essayer. Voilà. Je ne suis pas payé. Je préviens, je ne suis pas payé. J'ai juste, on nous a offert la paire hier. Je l'ai essayé aujourd'hui. Et voilà. Hop. Franchement, vraiment, c'est ma nouvelle paire pour courir. Après une journée de chillerie en bonne et due forme, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, nous allons aller, vous voyez, il fait nuit, il est 18h, mais il fait déjà nuit depuis 20 minutes à peu près, il fait une nuit super tôt, hein, c'est normal ici. On va aller au Sneak Me. Donc là, on va rejoindre Bissot, on va rejoindre Christopher, on va attendre les chauffeurs en bas. Et il y a Viviane Franck aussi qui est arrivée de Londres. À tout à l'heure pour de nouvelles aventures. C'est incroyable. C'est incroyable. La casquette, je la présente plus. Le t-shirt qui, je le présente plus. Le short suprême, je ne le présente plus non plus. Et la paire de Off-White numéro 1. Voilà, Nike Dunk du 50 Color Pack. La Dunk number 1 sur les 50. La Full White. Franchement, je l'adore. Pourtant, je porte pas beaucoup de Dunk. Il y a un petit jeu de miroir avec un fond et tout ça. Normalement, quand tu rentres dedans, bah, tu te vois à l'infini. Là, il y a 10 millions de gifs dans le miroir. Il y aura 10 millions de gifs. Tu vois ou pas? Je sais pas si ça se voit. Tu me vois, ma caméra? Le muséum, vous allez voir qu'il y a des vrais trucs. Donc bah ça, c'est pas la peine que je présente ce que c'est. Supreme Louis Vuitton, la planche de skateboard avec la malle et tout ça, ça vaut une fortune. Et comme ça va être aux enchères, bah ça vaudra le prix que la personne voudrait bien mettre, mais ce sera quelque chose de très cher. Le Sidou jet ski en collaboration avec Supreme, hors de prix. Nickel, Supreme, nanana. C'est pas écrit, mais il doit y en avoir pas beaucoup. Hein. Ça doit être moins de 10, je pense. You good? I'm good. And you? My English is a little bit bad. My English is very bad. Paris. Paris? Yeah. Nice. Thank you. La guitare suprême, voilà, 1954. Voilà. Fender Stratocaster White Guitar. Le flipper, ça je kiffe. Ça, si un jour je pouvais avoir un loft et mettre ça dedans, c'est un peu fan de Supreme quand même, mais je le mettrais. Ça pareil, hein. Le prix, c'est même pas la peine. Je vais vous mettre des prix à côté pour que vous voyez, et puis voilà. Les planches de surf Christian Dior by Stussy. Voilà.
150 pièces limitées et à l'intérieur il y a un BMX. Et le BMX il est magnifique, je vous mettrai une photo. La batterie. C'est pas beau tout ça? Isso, qu'est-ce que t'en penses? Franchement il est magnifique. T'es un batteur toi? Un peu comme toi, il me semble que hier je t'ai vu la chevaucher la batterie. D'ailleurs tu pourras peut-être mettre une photo de toi dessus, non? Ouais peut-être. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut s'asseoir sur une batterie limitée à 50 pièces au monde. D'ailleurs c'est vraiment une des plus grosses marques de batterie, voire la plus grosse. Après je suis pas un expert en marque de batterie. Et là, ma paire préférée, la Nike Mag, le retour vers le futur. À ma taille. À ma taille, en 12. À ma taille. En 12 jours. He's on a hunger for it. Ça c'est la version 2016 en plus. C'est celle qui a vraiment le système auto-lace. 89 paires au monde, plus 5 ventes aux enchères. Donc ça fait qu'il y a 89 paires au monde, mais ça c'est un taille 12. Et des tailles 12, il y en a loin d'être 89. Des tailles 12, il doit y en avoir, allez, 3, 4, 5. Donc ma taille est là, quoi. Misso, je compte sur toi pour... Ben, je ferai une enchère. Merci beaucoup, c'est gentil. Puis là, Jordan 4, signé par Michael Jordan, le GOAT. La Firehead, 89. Je pense qu'il y a une erreur dans le texte. Ça, c'est sa collection à lui, qu'on va voir en partie dans le muséum, et puis il y a la collection en partie de... Ouais, attends. Donc ça, c'est leur paire principalement à TQ, et c'est leur paire qu'on va voir, donc c'est des collectionneurs... qui collectionne des gros trucs. Là c'est la partie Yeezy avec les Louis Vuitton, la Bape et les Air Yeezy, quoi. Les une et les deux. Autant vous dire que là, là il doit y avoir, ça c'est hors de prix. Visiblement elle est signée. Elle est signée Ah ouais. Elle est signée donc. Là non, voilà. Juste celle-là déjà, ça vaut le prix que chacun veut bien mettre. C'est hors de prix. Ouais, elle prend une fortune, quoi. La collab qui a changé le game, qui nous a amené les fucking raffles, un peu avec les Yeezy de Adidas. Jordan and Dior, Sapin Ray. Je sais pas si c'est sur la paire ça normalement. Non, je crois pas. Je crois pas. Hein. Là c'est mes préférés. Enfin en tout cas pas toutes, mais celle-là. La Air Jordan 4 Oregon, mais celle-là elle est récente. Mais regarde l'arrière. J'ai aimé, je pense que je peux la faire. C'est une tuerie. Celle-là, si je pouvais la voir, je serais content avec cette 3-là et cette 3-là. Juste ces 3-là, Oregon. Des paires universitaires, players exclusives réservées aux joueurs de l'équipe de l'Oregon. Ou alors j'aimerais bien être un joueur de l'équipe de l'Oregon. Il y a la 5 j'aime moins. La Howard Baker Superman, la 4. Encore une Oregon Drop 8. Ça c'est la partie pour USB. Des grosses paires d'USB. Alors celle-là on les connaît, hein, mais alors celle-ci par exemple, je sais pas ce que c'est. USB, si tu regardes cette vidéo, dis-le moi dans les commentaires. Et celle-là c'est quoi? Les M pour les Supreme. La Heineken. Forcément celle-là. Un petit hacker, en plus ça a l'air d'être du 12, hein, Bissot. Quand je pense. Du 12 ou du 13. Les premières suprêmes, je les trouve quand même, je sais pas pour toi, mais un peu trop en bon état. Un peu trop propre. Pour des paires qui ont 20 ans ou presque. Première collaboration Nike SB avec Supreme. J'ai mis tout ça dans mon livre. Ah. Alors quand il n'y a pas la lumière, quand il n'y a pas la musique, ça veut dire que c'est l'heure de la prière. Là la musique est repartie, donc la prière est terminée. Ça je ne vous présente pas. Pas la peine de la présenter. La haute carte de la lumière. C'est là on n'a même pas regardé hier, c'était ici, voilà. Là c'est pas des paires que nous... Voilà, mais il y en a que voilà qui. Ils sont quand même bien importantes.
Merry Christmas. On a lobster. Le Zippy. Comment il s'appelle les batteurs, le batteur de The Roots avec la coiffure de cheveux là. Ça c'est ça, c'est sa père ça. Ah les Vuitton magnifiques. Cause là. Il y a des belles paires, mais il y a aussi des paires, tu vois, comme celle-ci, là, les Christmas, c'est des paires, c'est pas des paires de ouf, quoi, tu vois, je pense que le mec, il a mis ce qu'il aimait. Ouais, il a mis ce qu'il aimait, quoi. Ça, c'est bien. Bon, un des premiers Batman, il avait c'était une paire de Jordan 6 qui était customisée, donc bah, elle est là, quoi. C'est plus une pièce qui va intéresser les... C'est plus une pièce qui va intéresser les collectionneurs de films, de pièces d'amateurs de cinéma. Les amateurs de sneakers, bon, un peu moins. Mais c'est cool quoi, c'est marrant. T'as mis des petites paires sympas dedans. Là c'est le royaume de Nike. Là il y a plus de Nike à part les Louis Vuitton et les Air Force One encore. Ah. Celle-là est sortie juste aux États-Unis, la dernière. C'est la Blue Dream. Elles sont cool quand même. C'est bien, il y a les patins. La famille des Pays-Bas. Sean Waterspoon, Concept, le dernier. Ça, c'est la celle qui est sortie aux États-Unis. Celle-là, je l'aime vraiment pas. Je sais pas combien elle coûte en ce moment. Mais... Kobe Bryant, un petit hommage, c'est sympa. Avec la glitch. Rest in peace. Sakai avec Cole. Celles-là, elles n'ont pas du tout marché. Vous pouvez les acheter under retail, celle-là. Donc c'est bien, ils ont pas mis que des paires quand même. Spécialement hype quoi, le mec il a, tu sens qu'il a mis ce qu'il aimait quand même, ça c'est cool. Voilà, parce que ça je pense qu'à 80-100 balles tu peux les avoir. Ah, Jack Glass, monsieur. Alors qu'est-ce qu'il a mis comme paire de Adidas? Les Prada, Ultra Boost. Ah non, Ultra Boost celle-là elle est cool, ça c'est avec. C'est quoi la collab déjà? C'est avec. Nice Kicks. C'est Soulbox, pardon. C'est écrit, je crois. Ah oui, c'est écrit, Soulbox. Celle-là. Elle avait bien marché. Hickmet était encore chez eux, je crois. Hein? Je crois que Hickmet ouais, était encore chez eux. Ouais. Regardez-moi ça, les gars. Enfin, Hickmet était encore chez lui. Ouais, plutôt. Captain Dove, la 700. Louis Vuitton, ça c'est la paire de Rodolphe. La paire A Rodolphe. Rodolphe, apparemment, il a un prototype. Il faut qu'on puisse le prouver. Rodolphe, on va essayer de trouver une solution pour faire en sorte que ça marche. Bon, ça c'est récent, je ne vais pas vous présenter tout ça. Elle est devenue vachement claire, ça. La mienne elle est encore toute plus jeune. Elle a trop traîné dans le désert. Elle a pris le soleil, ouais. Fragment design, elle est magnifique. Ça, tu l'as celle-là? Putain, j'aurais tellement kiffé d'avoir celle-là. Et ouais, moi aussi je prends des L, je le montre pas, mais... Ça, j'attendais tellement que ça sorte. Air Jordan 4 Flight pour homme, coloris Craig. À côté, la coloris OG et puis la version Off-White. Elle défonce tellement. C'est la paire que j'attendais le plus depuis 2-3 ans. Il est mort et après Nike ils ont dit qu'il la sortirait jamais. Moi je pense que c'est plus un truc pour dire ouais dans 10 ans on va la sortir et puis ça va tout péter quoi. C'est le Spike Lee. Superman on a déjà vu. Les Kings de Los Angeles. La magnifique classique. 70. Jordan 3. Bon, les OG quoi. Ah c'est bien il a mis celle-là dedans. Il n'y a pas longtemps. Hein. Et puis là, il y a les Dior, les Chicago, les UNC, les White. Celles-là sont sorties que en Europe.
États-Unis n'ont pas eu celle-là. C'est ça qui est le plus cher. Je me rappelle plus souvent d'ailleurs. La vraie, la Chicago, la Royal Blue, la Fragment, One and Two Royal Blue et la Lumière. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même des sacrées grosses berces. Et donc au-dessus de cette pièce, il y a une terrasse, un rooftop. Et on va monter, on va regarder, je vais vous montrer comment c'est. On a fait un petit crochet pour récupérer ma belle djellaba sur mesure. Voilà. Et comme vous le voyez, nous sommes pratiquement dans un palais. Ouais. On a des vieilles décorations. Ouais. Palais from the streets. Voilà. Demain, on va dans le désert. On va s'appeler comment où on va demain? J'en sais rien, je sais qu'il y a Edge dedans. Ouais, Edge of Dream ou un truc comme ça, c'est des montagnes magnifiques. It's the second edge of the world. Only ask a German. Voilà. On a récupéré ça, on a fait un petit crochet à Dunkin' Donut, mais il faut pas le dire. Son péché mignon, et j'avoue que j'ai participé au fait qu'il l'achète. C'est vrai qu'il m'a un peu engrainé. Fortement incité. Ouais, ça c'est vrai. De toute façon, on s'est dit que demain on allait dans le désert, qu'on allait sûrement fondre. Donc c'est pas très grave. Voilà, et puis de toute façon demain matin on va au sport aussi donc. Hello, voilà. This is Hassan. Yeah. Nice guy. Where are you from? Very nice guy. Somalia. But I'm born here. Yeah. Okay. Si vous avez, if you want a bodyguard in Riyadh. In Riyadh, this is the guy. Just call me. Yeah. Okay. Je vous mets son. I put your Instagram of Hassan okay, here. Okay. Yeah. Down. Okay. La chaussure qui va bien en plus. Ouais. Regardez comment il est chaussé. Ah bien, on va prendre le lait là-bas. He's saying you with white t-shirt. Ah, white t-shirt, yes. I have this. Ah là là, c'est beau ça. Merci beaucoup. Good. Let me have a look. This way, this way. Oh wow. Yeah. Avec les off-white là? Yes. Là, après, il faut mettre un t-shirt blanc en dessous pour pas que ça se voit et tout ça. De toute façon, on verra ça dans le désert. Ouais. Non, c'est cool. It's good? Very good. Answer. Allez, va, mon gars. Maintenant, on va dans le désert. Avec ça, il y a plus de voiture. Let's get it on! Let's go! Day 3 and day 2 for Christopher. Day 2 for me, yeah. C'est fini, finish, finito, finish, basta. Das Ende. Voilà, that's end. That's end. Et là, c'est have bonne nuit. Night. Have a good night. Have a good night, bro. You too. Yeah. Take care, have a good night. Yes. Okay. Bonne nuit, mon frère. Jour 2. Salade de fruits pour Bissot. Et salade de protéines et de graisse et de calories pour moi. Aujourd'hui, séance de jambes avec Frangin Bissot. Christopher, il a un problème de poulet pimenté. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et du coup, aujourd'hui, jambes et triceps. Voilà. Quand tu vas avoir mal aux jambes, je te préviens direct. 10 minutes de vélo elliptique pour s'échauffer les jambes, ce sera très très bien.
pipe aérobique, elle est trop arrondie. Normalement, quand on fait l'exercice, quand on fait les mollets, quand on fait ça, normalement, c'est bien d'être sur une marche. Mais là, c'est trop arrondi, donc on fait la lame de sol. In the desert. You know. Donc j'espère qu'on va kiffer quoi, je pense que oui. Et attends, ça filme? Ouais. Et j'espère que dans la vidéo, vous pouvez voir le T-Mac Fly Challenge. Ouais, j'espère aussi. Je pense que je vais le mettre. Let's go. All around the world. Y'all know. This is so so. Put Jimmy rolling in my 500. Voilà ma tenue pour le désert. Ouh. Le but, c'est d'aller faire des photos cool dans le désert. Déjà, de voir le désert. Déjà. Le désert, les montagnes. On va apparemment dans un endroit mortel. Très beau. Et puis aussi, j'aime bien quand je vais dans un pays, respecter un peu les coutumes locales et tout ça. Le là, il y avait un vêtement traditionnel. Ici, tout le monde porte ça. Au-delà du fait de vouloir faire des photos cool et tout ça. Ce que j'aime bien, c'est que tout le monde porte ce vêtement ici. Donc, ça ne fait pas de différence de classe sociale. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. C'est plutôt un point positif. Donc, c'est une première pour moi. Au shoot day avec la Kiss Paris. Je vais rester en claquette pour marcher dans le désert. Et j'ai pris la paire pour les photos. Mesdames et messieurs, l'émir d'Arabie Saoudite. À quelque chose. Là, on est à l'aventure. Franchement, on est vraiment bien. Bien. Il n'y a pas un bruit dans le désert. C'est incroyable. On est reçu comme des places. C'est all designed from like Saudi old design. What all this? Yeah, I know, but I'm not sure if it's safe. If it's safe, yeah. Thank you. I gotta put it here. But I think more people from Turkey. Donc là, ils nous ont gentiment amenés dans un restaurant. Attends, il sort, vas-y. Et c'est en fait, c'est avec des clés, il y a plein de salles. Et puis dedans, c'est voilà, on s'assoit par terre, on mange à la bonne, j'allais dire à la bonne franquette, mais c'est plus à la bonne Arabie Saoudite.
Bon, je suis pas vraiment habillé pour l'occasion, mais... On n'était pas au courant, en fait. Donc, voilà, quoi, c'est cool. On va manger. Comment ça s'appelle le restaurant, je ne sais pas, mais en tout cas, on mange de façon traditionnelle et il y a à manger, on va bien se casser le ventre, mon gars. Si vous venez à Riyad et que vous voulez aller voir les coins secrets, les déserts, faire du quad, aller voir les chameaux, voilà, ça c'est l'entreprise. Je vous mets l'Instagram de l'entreprise, l'Instagram de la compagnie. Voilà, c'est des gens super gentils. C'est, voilà. Si vous voulez passer un bon moment dans le désert, assis, boire du thé, et puis il y a des grosses voitures là comme ça et tout. Donc voilà, je vous mets le Instagram et appelez-les. Et puis comme ça, vous pourrez aller vous promener dans le désert. Voilà, et puis ils sont super gentils. C'est super. Thank you. Yeah. So, you chaud? Comme d'hab, mon frère, c'est le dernier jour là. Dernier jour à la salle, dernier truc. Donc excusez-moi, ce matin, j'ai pas fait trop de vidéos parce que trop de choses à faire. Aujourd'hui, on va faire sport, piscine, événement, avion. Toute la night et après ce sera la fin du vlog. Aujourd'hui on va faire un petit mix parce qu'on a fait beaucoup de sport avec Bissot, donc on va faire un petit peu de cardio. Je pense qu'on va faire 20 minutes de vélo elliptique et après on va faire les épaules et puis on va finir sur des abdos et après on ira à la piscine tranquille quoi. Let's go. C'est quand même bien de s'entraîner avec une petite vue devant, ça change de la vue de Paris ou de la banlieue, même si ça reste très bétonné quand même. Au revoir la chambre, c'était une sacrée belle chambre, un sacré bon lit, j'ai bien dormi, pas beaucoup mais bien. Là, je vais poser les bagages, on va faire quand même une journée piscine avant de partir. L'avion est à 1h du matin, donc on a encore largement le temps de profiter. Manger, douche, événement, et après vers 22h, direction l'aéroport. Voilà. Fini Bissot. Attends, je contracte les abdos. Les abdos quand même, on va voir. Avec le soleil, ça fait des beaux reflets, ouais. Ouais. Ouais, j'ai travaillé. Ouais, pas mal. Alors, on sèche au soleil. Le soleil est en train de tomber. Enfin, il va aller se cacher derrière la tour. Montparnasse. Quoi, la tour Montparnasse? Tupac Shariq, my friend. Voilà. Meilleur gars ever. The best guy. Ok? Thank you. I must welcome you, sir. Thank you. Thank you. Nickerden, les préparatifs, organisation, c'est un peu le bordel. On est dans les douches du spa. On a laissé nos bagages en bas et du coup on a resté à la piscine. Voilà le style du jour. West Indies, man. Yeah, man. Ça en fait, frère. Là, on va, il est presque 17h10, 15 là. Est-ce que c'est pas même notre véhicule qui est en bas? Ah, c'est possible, ouais. Hey! Thank you. Thank you, bye. On n'est pas plus à l'heure. C'est pas grave. Je vais monter devant. Monte devant. On va aller devant et puis on va faire les. J'espère qu'on va faire des belles photos là-bas, ouais. Là-bas, ouais. Pour la miniature et pour Insta, quoi. On est avec notre ami Walid. The boss. The boss man. The boss. Guys, we will go today. Yeah. I'm so sad. Me too. DJ Walid. Did you enjoy him? Yes. Riyad? Yes. Why
you still want the hoodie? Thank you very much. Okay. I never forget you, man. Yeah, man. Yeah. Thank you. You're a good guy. Yes. Yeah. Wally, the boss. The boss. Goodbye. Yes. We'll see the you. Meilleur gars d'Arabie Saoudite. Yeah. Merci, Wally. Gracias. Évidemment, Bissou, il a trouvé un stand de Dunkin' Donuts. Donc, il est en train de m'acheter des donuts. Ah, Kata. Merci Bissot. Il y a des Dunkin' Donuts partout ici. Partout. C'est une catastrophe. On était dans le... avec Walid, le driver. Sur la route, je disais à Gibbs que si on a une Dunkin' dans l'aéroport, je lui paye les... Les donuts, quoi. Les donuts. Il a pris une boîte, quoi. Le mec, il a pris une boîte, quoi. Un truc de malade. Merci, moi. Ce petit... ce chétan, ce petit bijou. Waouh. Bye, bye. On va manger avec plaisir. On rentre à la maison. On va voir ce que ça va faire. On prend l'avion à 1h40 du matin quand même. 1h40 du matin. Je pense qu'on va bien dormir dans l'avion. Ouais, j'espère que là je vais pouvoir dormir à manger mes jambes. Mais je retrouve pas mes AirPods et ça, c'est un vrai si problème. J'ai envie de regarder un film, c'est pas avec le casque de l'appareil que je vais pouvoir regarder. Si je regarderai un film sur l'écran, j'ai un écran là. Ok. Bon courage mon frère, on en a pour 6 ou 7 heures.